mon cas, c'est surtout vis-à-vis de cette marche que ce forum a été organisé. Madame Sapri, devra prononcer quelques mots, n'est-ce pas? Et donc, je vous invite à... Avec... Oui, Monsieur Gadard, je vous en prie. Représentant du ministère de la Culture et de la Bibliothèque nationale,
Monsieur Dolty Martin, directeur du British Consul, Monsieur Piqueras, représentant de l'Institut Cervantes, Madame Inan Biyoud, représentante de l'Institut supérieur arabe de traduction, Monsieur Wassine El-Alaj, représentant de l'Université d'Alger 2 demain, donc à l'Université d'Alger 2, Monsieur Talmalt Amar, représentant de l'ARC, Monsieur Guillaume du Centre d'études diocésaines, Monsieur Lounissi, représentant d'Algérie Télécom, des bibliothèques numériques, académiques et généralistes, amis écrivains venant de l'étranger ou des wilayas d'Algérie ou simplement de la capitale d'Alger, vous qui allez vous exprimer par la langue amazigh, vous qui allez vous exprimer par la langue arabe, vous qui allez vous exprimer en langue française, vous qui allez vous exprimer en langue espagnole, vous qui allez vous exprimer en langue anglaise, vous qui allez vous exprimer en langue allemande, nous sommes ravis et honorés de votre présence. Nous sommes honorés de vous compter parmi nous, nous la famille des arts et des lettres, vous qui accompagnez la littérature et les langues. Oui, la littérature, c'est vaincre la régression à l'ère des suspicions et des crispations. La littérature pour réinventer l'art. La littérature permettant le rapprochement des peuples par le dialogue, comprendre mieux l'autre. La littérature, c'est s'ouvrir par la pensée universelle, même si souvent la ligne éditoriale de certaines maisons d'édition prône les idéologies. Mais la littérature est la courtoisie avec l'autre par la langue, par l'échange, par les voyages, en rampant les frontières et les idées reçues. En rampant les frontières de l'aliénation, Guébassé, qui aurait pu être parmi nous, il n'est pas là, il disait dans l'Ivresque 38, « Nous traversons une période politique troublée internationalement, et la figure du politique semble aujourd'hui mise en cause ou dévalorisée. Il est bon que l'importance de la littérature et l'art soient réaffirmées. » Ou encore, Habib Selmi, de la Tunisie, dans l'Ivresque numéro 12, « On ne peut pas écrire un roman sans. On essaye de limiter l'action ou la trame au minimum pour pouvoir créer quelque chose qui va au-delà des faits. » Mounia Boulila, dans l'Ivresque 12, disait « La poésie est universelle au même titre que la musique. Ce sont des sensations qui partent du fond de la personne et qui atterrissent dans les cœurs des humains. » Évidemment, l'écriture impartir, l'écriture imprendre son envol, compléter le discours de l'autre qui ne suffit plus. La littérature est la pensée profonde de ô combien de nuits d'éveil pour repenser le monde, pour modeler le monde, probablement le saisir. Combien avons-nous fait d'interviews via le magazine Livresse et recueilli les propos des écrivains algériens, des plus confirmés aux plus jeunes talents, sans faire fi de nos aînés qui ne sont plus de ce monde ici-bas, comme Feraoun, Mamri, Kateb, Dib, Ouattar, Djaoud, les Amrouches. Sans oublier celle qui nous a quittés en février 2015, Asia Djebbar. Aussi des écrivains africains, maghrébins, européens, haïtiens, américains, iraniens, chinois, japonais, des écrivains en terre de paix, des écrivains en terre de guerre, pour axer le vocable littéraire au son, au sens d'un monde que nous voulons comprendre, un monde dont nous aspirons ou nous déplorons. Au nom de tous les écrivains conviés à ce virement, tous les longs instruments d'échange vont être débattus entre nous tous. Merci de nous permettre de voguer d'un espace à un autre et surtout de voguer d'un espace à un autre par la beauté des lieux, mais aussi les richesses des langues. De la langue amazigh, arabe, française, que nous maîtrisons, nous voulons accompagner nos romans vers l'anglais, l'espagnol, l'allemand. Utopie ou non, un défi de plus, comme l'Ivresque a toujours aimé les défis, un défi de plus pour 2016, 2016 nous le dira. Le Forum Chit Boudjedra, une œuvre cinquantenaire,
C'est rendre hommage aussi à Marcel Bois pour toutes les traductions. C'est donner la parole aux jeunes. C'est donner la parole à la relève. C'est donner la parole aux universitaires. C'est donner la parole à ceux qui ont le master et le doctorat et qui sont toujours là à travailler les textes des classiques. Nous faisons appel à la littérature contemporaine n'existera pas. L'Ivresque est là pour accompagner cette première édition grâce au ministère de la Culture qui a mis les moyens pour que cet événement ait lieu. Je remercie les partenaires de ce forum. Je remercie la Bibliothèque nationale de nous avoir donné cet espace. Je remercie l'ARC, où il y aura un événement à l'ARC. Je remercie la Galerie Benia qui nous a ouvert son espace. Je remercie l'Université d'Alger 2 qui nous a ouvert son espace. Je remercie Centre d'études diocésaine qui nous a ouvert l'espace. Je remercie aussi le Musée des Beaux-Arts qui nous a ouvert les espaces. Et je remercie les 8 partenaires qui ont accompagné l'Ivresque, qui a accompagné le roman En terre d'Algérie. Assistant au